Bonjour à tous. Comme vous le savez, je suis curieux, très curieux, voire trop curieux. Comme j'avais accroché à deux titres de chez Housemarque, j'ai décidé de continuer sur ma lancée en prenant le jeu Aliénation, disponible uniquement en version physique en Asie. D'après ce que j'ai compris, Aliénation est une déclinaison du jeu Zombination qui est du même éditeur. Zombination n'est pas sorti en version physique, c'est dommage. Aliénation est une sorte de Diablo se passant dans un futur en guerre où les hommes luttent contre une race extraterrestre. Quatre soldats de l'UNX vont devoir partir en mission pour sauver l'humanité. Aliénation propose plusieurs modes de jeu et trois classes de personnages. Le biospécialiste qui est une sorte de médecin, le saboteur qui est une sorte d'éclaireur et le tank qui va être le bourrin du groupe. Chaque classe est complètement différente et peut être mise à niveau. Il y a des tonnes d'options, des tonnes d'armes, des tonnes de niveaux. Niveau jouabilité, nous avons encore un twin stick shooting à la Smash TV. Graphiquement, c'est superbe. Par contre, nous n'avons pas la Housemarque Touch que nous retrouvions dans Matterfall et Next Machina. La bande-son déchire et l'animation est superbe. C'est moins frénétique que Next Machina, mais c'est tout de même assez fou lorsqu'on a des hordes d'ennemis à l'écran. Vous l'aurez compris, ici nous n'avons pas affaire à un jeu d'arcade pur et dur. C'est un Diablo-like vous proposant une durée de vie de dinosaure. Pour en profiter pleinement, il faut impérativement y jouer à 4. En solo, le jeu est fun, mais c'est vraiment la coopération qui donne tout son intérêt à ce titre. Comme je ne l'ai pas encore fini, je ne peux pas lui donner de note. Une chose est certaine, Aliénation est une pure réussite pour peu qu'on aime le genre et qu'on a du temps à y consacrer. Housemarque, futur studio légendaire, c'est à vous de répondre dans les commentaires. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.